C'est lui qui lit qui est. C'est celui qui lit qui est. Alors, ça s'appelle les adultes ne font jamais ça. D'accord. Et est-ce que tu connais déjà l'auteur de ce livre? C'est le même que celui qui raconte les histoires de Petit Ours. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez. Et puis, t'en as lu d'autres aussi Taupe. Taupe et Mulot, oui. Ouais, voilà. Benjamin Chaud. Donc, c'est quoi le principe de ce livre? Le principe, c'est en fait de raconter que les adultes sont parfaits. Et les images, c'est rigolo parce que toutes les images trahissent les choses et disent le contraire. Là, en fait, là, elle descend les escaliers et elle tombe. Alors, normalement, ici, lui, il devait devrait ouvrir des yeux déjà. Et là, c'est lui qui tient. Donc, normalement, il devait pas le verser sur la table. Là, lui, il a fait tomber son téléphone par terre. Pas génial. Là, elle... Elle verse le jus d'orange sur la tête du monsieur. Là, sa boule de glace. Ah, de glace. Là, il met la chantilly sur son gâteau. C'est sur la tête de la dame parce que la dame est passée à côté. Alors, elle, ça c'est un robot. Et là, ça a soulevé le truc. Donc du coup, ça a débordé. Donc là, ça a fait... Et ça a éclaté partout. Là, elle croyait qu'il fallait le tenir de ce côté. Elle l'a tenu de l'autre côté. Et donc, en fait, ça, c'est la page qui dit que les adultes ne sont jamais maladroits. Les adultes n'accusent personne, n'accusent jamais personne à leur place. L'image raconte quoi ? Le monsieur croyait que la dame était son mur, du coup il l'a peinturluré et au lieu de dire pardon et tout ça, il a accusé son chien. Mais il est un petit peu bêta parce qu'il a le pinceau dans la main. Ouais, ouais. Donc il se trahit comme tu viens de dire. Voilà. Ouais. Ouais. Donc et il y a un personnage là dans la poubelle. Oui, alors, et à la fenêtre, hein, ce sont des enfants qui espionnent les adultes. D'ailleurs, on peut voir qu'à la fin, ils sont tous réunis et ils ont fait une grande enquête où ils ont enregistré, où ils ont pris des photos, où ils ont écrit des choses, où ils ont écrit sur des post-it. Ils ont fait une enquête sur les adultes et voilà, on les voit tous rassemblés. Et alors, du coup, ils ont démontré que les adultes font les choses d'une certaine manière et ils décident... De faire comme eux. Comme eux. Comme eux. D'accord.